Ok, salut à toutes, c'est Ender et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de notre A2Z sur n'importe quelle lane. Alors aujourd'hui on va se mettre avec Aatrox. Je crois que la prochaine fois ce sera Ahri ou Akali ou Alistar ou Annie. Enfin c'est quelque chose en A je me souviens, mais après je sais plus du tout quoi. Je crois que c'est Ahri. De toute façon je sais que j'ai tous les persos en A, donc ça devrait aller. C'est surtout les B où j'en ai pas un seul. C'est là où c'est la galère, je vais devoir en acheter. Enfin bref, alors j'ai utilisé le confectionneur de team, ça m'a mis beaucoup de temps pour trouver une game, mais bon c'est pas très grave, au moins j'ai le rôle que je veux et on me dérangera pas. Alors en face ils ont 5 skins, donc on va se faire défoncer, on en a 0. Donc autant dire que c'est la mort. Jinx en face et Argent 5, le reste je sais plus. Donc dans notre team c'est Panthéon ADC, Fiddlestick support. Moi je suis top, Yasuo mid et Lee Sin jungle. En face à Lee Sin jungle, Zyra support je pense, Shen top, Veigar mid et Jinx bot. Donc j'ai mis mon jeu en anglais aussi, je sais pas pourquoi, je préférais ça pour les rampage, enfin pour les trucs comme ça, c'était mieux je trouvais. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de sang, enfin c'est ce que les gens disent. Après je sais pas, j'y crois pas trop moi. Sinon c'est qui a un PC de chèvre ici? Ah, Lee Sin 0%, c'est pas mal. Alors je sais pas si vous verrez ma souris, mais bon, on va dire que vous la voyez, j'espère, parce que je ne le sais pas. Alors je tourne cette vidéo un mercredi, donc j'ai décidé en fait que le mercredi je pense pas qu'il y aura beaucoup de live, sauf très rarement, et que je vais surtout tourner toutes les VOD, comme ça je fais le montage le soir et vous avez les vidéos le lendemain. Donc là on est le mercredi 26, voilà. Donc dans exactement 1, 2, 3, attends, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans exactement 7 mois et 30 jours, c'est Noël. Voilà, je tenais à le préciser. C'est tout. C'est très important pour ma part. Donc normalement, Lee Sin va être AFK en face. Il a voulu tester son skin. Enfin, il y a 0 quand même, c'est dommage pour leur team, du coup ils vont être 4 parce que je pense pas que là que je bug, non je bug pas. Donc c'est bon. Mon ping est un peu élevé là, je comprends pas pourquoi. On va dire que c'est pas grave. Bon ça commence sinon. Ah ça va être chiant, là ça va pas commencer tout de suite. Donc en ce moment là aussi j'ai 66 champions. Ah c'est le Sin Charge. Et 66 champions. Donc, 66 VOD déjà, et après au fur et à mesure du temps j'en achèterai, du coup ça veut dire qu'il y aura tout le temps du contenu A to Z. Je sais pas comment je vais appeler cet épisode, le premier, enfin je sais que ce sera League of Legends, Let's Play League of Legends A to Z tirer quelque chose, je connais pas encore, tirer Aatrox tirer quelque chose, ouais ça va être comme ça. Alors je vais prendre le E en premier. Donc c'est un perso que je sais quand même jouer, à Aatrox, hein. J'ai jamais été trop nul avec lui. 3. Pantan Fedal, vous êtes pris mid. 3. Donc c'est une team pour les faire, je crois. Je leur demande quand même, sinon ça veut dire que ça a flame. Cette vieille légende là pour dire que les Français font que flame. Ce qui est vrai d'ailleurs, moi je flamais avant. Et un jour je me suis rendu compte que ça servait à rien de flame. Yeah. Bon, sinon je vais leur dire, dites bonjour YouTube. Je cover son bleu, pour le cas où s'il y a un petit invade. Non, il n'y a personne à leur bleu, à son bleu, Lee Sin, donc c'est bon. Parce qu'ils avaient quand même une bonne team pour invade, ils auraient pu. Hein. Shen n'a pas de TP, je suis un boss avec Yasuo. Shen n'a pas de TP, donc c'est intéressant. Grâce à ça, on va pouvoir bien l'agresser, voilà, bien le poke, surtout avec le E, parce que moi je max le E, ensuite le Z, ensuite le Q et l'ulti bien sûr aussi. L'ulti je l'up au level 6, 11, 16,
les levels normaux. Si on va mettre le noir tout de suite, je sais que c'est une erreur. Je sais que j'aurais pas dû. Je le fais, on sait jamais. J'avais un peu peur, là je sais pas par où il peut venir le chêne. Surtout qu'on n'est pas en enquête, désolé. Je sais pas encore si je vais faire les A to Z en enquête. Parce que franchement, piquer le champion qu'on veut à un rôle bien précis, c'est assez dur. Vous voyez, il a pas de flash le chêne, donc on va bien en profiter pour l'agresser. Surtout que mon E fait beaucoup de dégâts. Et je crois qu'Aatrox d'ailleurs counter chêne. Ouais, ça le counter, c'est sûr. Hop, on va lui dire un petit wallplay. On va up le Z en second. En farm, ça va, tranquille. C'est à peu près égalité. Mais toujours un petit avantage pour moi. Donc, on peut dire qu'on est bien sur la lane là. C'est bon, 10 à 7. Il voit qu'on prend l'avantage. Psychologiquement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On le provoque psychologiquement. Il ne sait pas quoi faire contre mon Aatrox. Il est. Comment dire? Il est impressionné par ma puissance. Ah, le Lee Sin arrive. Il a pas de flash. Oh là là, le bâtard. Oh le bâtard. Ah, j'ai flash quoi, il abuse. J'ai pas dû lui dire nice case, mais bon. Il aurait dû me laisser parce que c'est quand même un jungler. Sachant qu'il a eu le first blood. Je vais pas lui dire GG quand même pas là. Bon allez. Oh merde, j'ai up le mauvais truc. Voilà. Je lui dis quand même, on sait jamais. Il pourrait peut-être s'énerver, il va dire oh là là, il est méchant. Il est méchant. Bon, je suis niveau 4, j'ai bien l'avantage sur lui. Sachant que lui déjà a une mort. C'est bon, tranquille. Je vais mettre ma ward dans le bush. Car c'est un Lee Sin, donc il peut venir à tout moment. Mais je crois qu'il a gay, hein, donc c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'il veut? Oh là là, il m'énerve. Il est très chiant ce chêne. Viens là, chien. Il m'agresse, putain, mais il est trop marrant. OMG. Prendre un Aatrox 1v1 quand il a son passif, mais il est fou ce mec. Je sais pas quoi, je sais pas, il est même pas niveau 30 là quand même. On sait bien que pour une première vidéo de A to Z, on la gagne. Je suis assez content. Je suis même très content. Je suis très fier de moi là. Non mais quand même, faut le dire, j'ai une bonne team quand même, un bon jungler. Il est pas nul. Donc en farm, il a 12, j'ai 26. J'ai la meilleure farm de la game avec Yasuo, donc c'est bon. Ça veut dire qu'on est très bien sur la lane. Yasuo à back, ça veut dire que je vais pouvoir prendre l'avantage sur le farm. Oh, pourquoi le sbire il a bougé? Il a bougé le sbire. Oh, le sbire de sa maman. Et voilà, c'est bon. First farm, excellent. Nous sommes trop puissants. Ça c'est avec votre énergie qualitative. En plus, je régénère bien ma vie vu que j'ai Aatrox. Toujours faire attention au gank, je n'ai plus de ward. Même si je suis au top, donc il gank rarement les gens. C'est, ça dépend avec qui on est, mais si on a un perso qui fait des dégâts, c'est une lane très importante. Si on a une perso passif comme Renekton, c'est pas très important. Mais si on peut prendre l'avantage, c'est quand même mieux. Enfin, faut quand même la gank, la top lane, hein, faut pas la négliger. Parce que si. Parce que si tu pars à ta top lane, généralement on a perdu la game. Au niveau des tourelles, c'est très important. Ouais, play. Ah non, Lee Sin s'est tué lui-même. Le Panthéon pourrait y aller, il a le niveau au-dessus. Même si c'est Lee Sin qui a plus de PV. Ah, tant pis. Moi je prends l'avantage. Je vais pas trop décaler durant cette game. Parce que simplement je sais pas décaler quand je suis au top. Je sais de quelques quand je suis mid. Et j'ai une assist. Okay. J'ai toujours mon puits de sang. Il n'y a pas eu d'agression de sa part. Il joue très pussy boy, comme on dit. J'aime pas trop ça. Bon, après, chacun joue comme il veut. J'ai. Ah, ok, c'est un Veigar contre Yasuo. Oh là là. Il doit tellement. Ouh, le Veigar, il doit tellement avoir mal. Car Yasuo est un gros counter de Veigar. Donc. La chaîne est niveau 6. Va falloir faire attention aux dégâts. Va falloir dire SS au bon moment maintenant.
Ah, chaîne, ça a quand même une grosse mobilité, mais bon, ça va que j'arrive à le toucher, que je sais viser. J'espère que le record va pas bugger. Parce que je sais pas, j'ai un peu peur là. Des fois, il bug quand je fais des VOD sur League of Legends. J'espère que non. Je me demande comment je vais faire la miniature. Je sais pas trop. On aura script et voilà. 49, ouais, ça va avec Yezu, on est toujours très serré. Donc, c'est bon. Il va sûrement me dépasser en farm là. Ah putain. Ah c'est bon, il m'a dépassé. Ah merde. Donc on n'a pas vraiment un très bon farm quand même. À 7 minutes de jeu, 50, c'est pas super. Enfin, faudrait que je rate pas beaucoup de sbires maintenant. Parce qu'il faut que je sois déjà à 70 à 10 minutes. Ça c'est sûr. Déjà, si on rate le gros sbire de mêlée, ça va pas être good. On va dire quand même qu'on maîtrise bien la lane. Je pourrais l'engager Under Tower, il a un niveau en dessous. Je fais des bons dégâts, mais. Je vais essayer de jouer safe cette partie. Je vais pas essayer de grid. De throw, comme on dit. Ah, j'allais pas l'avoir, je savais. Parce que mon attaque était beaucoup trop lente. C'est bon, 59. J'ai 10 de play. Là j'ai réussi à le toucher, du coup on enlève son bouclier. Lui l'avantage c'est qu'il a... moi j'ai pas de mana. J'allais dire l'avantage c'est qu'il a de l'énergie et moins du mana. Mais j'ai pas de mana donc c'est bon, tranquille. Hop, on va essayer de bien faire attention. Farm, j'ai dit, oh là là. Je rate tout. Non. C'est bon, 64. On va arriver au 70. Normalement c'est bon. On va graisser les sbires tranquillement. Sans pression. Sans aucune pression. SS. J'ai dit SS. Du coup, il a fait peut-être une erreur pour ma part, je pense. Parce que du coup, il va perdre du temps sur sa ligne. Voilà. Merde. Écoutez. Là, oh putain, ça fait des dégâts. Là je vais prendre les potions. Faut que je me régénère vite là. Avant un gank du prénommé jungler. C'est bon, je régénère vite ma vie. Voilà, je te fais sauter dans les... Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Est-ce qu'il va back? Non. Mais il a pas son TP justement, c'est le moment. Parce que j'ai une meilleure vitesse de déplacement que lui. Donc ce serait bien d'aller chercher quelque chose. Je vais partir dégâts. On va prendre ça. On va prendre des bottes. Mais ça devrait aller. Mais voilà, c'est bon. On va tout utiliser. 64 de farm à 10 minutes. C'est bon. On a le farm minimum. Car oui, il faut au minimum 70 de farm à 10 minutes. Sinon, on n'est pas considéré comme un bon farmer. Enfin, c'est qu'on n'a pas bien farmé. Et donc, c'est un peu, ça pose un peu problème, quoi. SS. Je signale le SS au cas où. Je pense que ça va qu'il a back. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il aurait des gueules en moins par rapport à moi. Donc là, normalement, on va bien monter sur le farm. Car avec... Oh putain, je dis ça et je rate tout mon farm, quoi. Ok, là j'ai raté quasiment toute la lane. 4. J'ai réussi que 3 creeps sur la lane sur 10. Je crois que c'est 10 par lane. Hop, c'est bon. Donc, là, je pense qu'on va avoir la tourelle. Hop, on fait ça pour la vitesse d'attaque. Qui vienne, je l'attends franchement. Fais pas chier. Oh non, la tourelle. Je vais pas réussir à l'avoir, je pense pas. Si. Ah si. Il a bien joué sur ce coup. Je pensais avoir détruit la tourelle et j'avais pas détruit. Dommage, dommage. Oh, c'est très dommageable. On va prendre... Pff, c'est que ça.
Tie, Lost Game. Il a bien compris là qu'il allait perdre. On va prendre ça. Blade of the Runet King. Ouais, allez, on va partir sur le sabre vicié en premier. Sur le sabre vicié en premier. Après, c'est worse parce que moi j'ai donné 300 gold environ, je sais plus combien c'est, à toute ma team. Que lui n'a gagné que 300 gold seulement pour lui-même. Du coup, c'est amplement. J'ai perdu mon passif et tout. Donc, c'est amplement. Worse. Voilà, worse. C'est ça. GG avec la ward. Il a bien passé au bon moment. Je pense pas que le chêne s'y attendait. Non, mon farm. Maintenant c'est mon farm, tout ce qui est sur les lanes c'est bon, c'est à moi. Ok, il y a beaucoup de gens, on va se barrer, on va retourner au top, on va farm. On va vraiment prendre l'avantage sur lui, sachant que lui a 2 kills quand même. C'est pas mal, on va mettre une ward là pour avoir l'info de tout ce qui arrive. Voilà. Moi je vais prendre ça. Oh attends, c'est bon quoi. Je prends un peu de mille rouge et c'est bon. J'espère pas qu'il va le prendre. Ce serait vraiment débile de sa part. Voilà, j'ai utilisé le truc pour faire plus de dégâts. Parce que j'avais peur qu'il me le prenne. En plus, ils avaient tous les skins. Ça m'étonne. J'ai pas mon passif, je vais pas y aller. J'y serais allé si j'avais eu mon passif. Mais là, j'ai pas vraiment envie. Pas grave, on va prendre la tourelle. J'en ai marre qu'on me casse là, sérieux. Ça m'énerve. C'est un peu chiant quoi. Bon, c'est bon, je vais avoir la tourelle. Je dis pas GG par contre parce que j'en ai. A chaque fois qu'il vient me gank, c'est pour me casse. Bon, avec Ezio, toujours le ferme le plus serré. Bon, moi je suis le plus avancé sur mes lanes. Enfin, sur ma lane. Bon, bah je vais finir la game. Voilà, c'est juste ça que je voulais. Là, on s'est pas visé. Non, non, je pouvais rien faire, je pouvais rien faire, je le savais. C'est dommage. Ils auraient pu dire SS quand même. Ils l'ont dit ou pas? Ah oui, il a dit. Can also sure. Là. Ah mais ok, on est à 14 000 déjà. Ok. All mid and it. Ah, j'ai perdu mon rouge. Non. Oh putain. C'est risqué de sa part là de. Il va trop, comme on dit dans le milieu. Dans le jargon. Il va trop. Je vais faire le Drake. En plus j'ai mon pute sang. De toute façon c'est moi je fais. J'aime bien ce skin à Vega, étonnamment. Je trouve assez classe. Ils l'ont pas fait. Non c'est bon. J'ai cru là pendant un moment, je le voyais pas apparaître. Je me suis dit, what, ils l'ont fait. Bon. Sinon, la vitesse d'auto-attaque, on en parle. Voilà, merci. Voilà, il a raison. Ah non. Voilà, GG. On m'a encore KF. Voilà. No comment. Ah non. Il m'a totalement dépassé en farm, Ezio. J'aime pas ça. Stop. Oh putain, il va farm trop bien maintenant. Ouais, c'est Yasuo. Hein. Dommage. On aurait pu avoir une meilleure farm de la game. Dommage, dommage. Faut se dire qu'on a la lane la plus avancée pour le moment. Non, oh, il a pris. Et c'est, en plus, c'est depuis au niveau de la game. Donc, oui, c'est quand même lui un peu. Non, je n'y vais pas. Tu fais la fumée. Mais... On pourrait y aller, non. Ah, il part, je vais pouvoir prendre l'avantage. Oh, GG, l'ulti. XD. Oh, je crois que j'allais que je pouvais l'avoir, dommage. Ah,
sur notre attaque de merde. That's done. Ouais, dommage. Ah, c'est le Yasuo qui est... Mais il est fou. Mais il est fou. Mais j'arrive pas à le toucher, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Je l'ai solo, moi. Je suis en Aatrox. Hop. On va prendre notre vie. Voilà, qu'elle régène, quoi. Elle devrait tellement être nerf. Est-ce qu'on remonte en farm? Non, il y a trop de farm. Ouais, quand même, on peut remonter. Franchement, c'est la bataille du farm, quoi. D'accord, je me casse. Ah non, 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 je me casse pas du tout. Ah non, 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 tu me casses pas là. T'as fumé, quoi. Donc, on s'est protégé de, son passif qui aurait pu me tuer, vu que ça fait des dégâts bruts. Et niveau combien? Ah non, 8, elle aurait pas pu me tuer. Je pensais que c'était plus. Je pensais qu'elle avait qu'elle était genre niveau 10. Non mais non. On va peut-être prendre. Comme je disais là, je pars full dégâts. No care total. Enfin, je vais quand même prendre un moment en item pour la régène, quoi. J'ai combien de life steal? Ok, j'ai ça. 15%. Alors cet item il fait quoi? Il est pas mal, mais je pense qu'on va rester sur cet item. On fait du 24-8. Tranquille. On va mettre la Blade of the Wounded King, la BOTRK, ici. Oui! J'ai réussi! First KS, yes. Enfin, quoi. Ah, je suis content. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, quoi. J'ai sauté. Ah, il doit être tellement dégoûté. Oh, voilà. Il doit tellement me détester maintenant. Lui, par contre, le chien est parti full de tank. Il chaîne Noël pour MG. Allez, on arrive par derrière. Voilà, là, par exemple, on casse, mais je dis rien. Ah ouais, mais genre, on m'a foutu. Ok. Oh. Putain, mais laissez-moi régène. MG. Oh. Je rêve, quoi, le Panthéon. Pourquoi il a enlevé son... Il a enlevé son aggro, quoi. C'est... Pff, voilà. Yasuo fait du 10-3, pas mal, pas mal. Ah, une Hydro Voras. Ouais, ça peut être bien sur Yasuo. Je sais pas, je fais pas d'Hydro Voras moi avec Yasuo. Déjà, je joue pas souvent. Hop, voilà. En top, j'ai pas envie que ma tour elle meure. J'ai pas envie d'avoir la première tour à mourir. Ouais, ouais, elle va die, je pense. Ah, Yuji. J'aime bien cet esprit. Taille. Je sais pas combien c'est le CD pour l'ultia Panthéon. Je crois que c'est pas beaucoup, hein. Je crois que c'est quand même un outil assez OP. Mais bon, je vais pas dire n'importe quoi, sachant que je ne le sais pas. Bah, prends-le. Moi j'ai pas de... Voilà, ce Yasuo, quoi. Au début de la game, il a dit je suis un pro Yasuo. Je comprends. Oh putain, s'il arrive à les avoir. OMG, ouais. Oh, il aurait tellement pu pintard. Dommage, dommage, quoi. Non, mais non, mais non. Moi, je viens de dortoir, on ne care. Voilà. Maintenant, on va prendre de la régène. Voilà. Mon doublé, merci, vous êtes gentil. Non mais alors, on s'est pas visé. What? Son autre attaque qui part à perpète. Je crois que c'est Ward ici. C'est pas grave. Au pire, ils me verront. J'ai mon passif de toute façon. Quelle team. Euh
Oh merde, j'ai pas vu. Ma LTRD. LTRD, en fait, ça fait vachement de dégâts. Mais putain, je tousse à mes amis après. Moi, j'ai peut-être le refuser, je pense. J'en ai tellement d'amis déjà. OMG, le mec. Les damage. Putain, les IRA qui s'est pas vu. En plus, ils avaient 5 skins, quoi. Ils auraient dû nous défoncer. Non, mais moi, je fais ça. Vous avez fumé, genre. Merci, vous êtes gentil. Du coup, maintenant, elle va m'aider à finir beaucoup plus vite. Non, mais c'est mon farm. Là, ça s'est fait. Donc maintenant, cette tourelle. Non. Vas-y, c'est pas possible. La portée de ce truc. Non, mais c'est pas possible, gars. J'ai 7 assists. Oh, je suis Atrox, quoi. Le mec qui peut tout le temps KS. Non, je sais pas KS avec Atrox. Adieu. Je pense qu'il devrait m'aider là. Il aurait dû m'aider. On les aurait eu. Mais bon, pas grave. Je vais prendre le Warmog. Elle est quand même un peu de vie, ça fait pas de mal. Je suis quand même censé être le tank. De toute façon, là, on sait qu'ils peuvent pas remonter, on peut trop à mort. Ils vont pas pouvoir remonter, ils ont pas une seule tourelle. Une Notizu qui est totalement feed. Va-t-il les avoir? Ah non. Il va pas les avoir demain. Il aurait pu Penta. Yezio, s'il avait kill les deux autres, et le Isin, il aurait pu Penta. Il a le Penta, mais... Dommage pour lui. Dommage, dommage. À sa place, je m'en serais vraiment voulu. Mais pense-toi, nos sbires qui vont finir. Noob. Ah, non, ils se sont rendus. Bon, pour une première game avec en A to Z, donc c'était avec Atrox. La prochaine sera avec. Enfin, avec une autre personne, quoi. Le perso qui suit. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à plus à la prochaine, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour ce que vous pensez de la série en gros. Moi j'aime bien ce concept du A to Z, je sais pas vous après, donc sinon moi je vous dis à plus à la prochaine, allez ciao.